Bonjour, et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. 3. Photo miraculeuse de Medjugorje. Pour ceux que ça intéresse, actuellement, je fais un travail spirituel pour essayer de prendre Jésus pour Père. En effet, à Noël, Marie nous a demandé de prendre Jésus pour Père. Et ce message m'apparaît intéressant, car on prend toujours Jésus comme bébé ou enfant, mais jamais comme Père. Donc, dans toutes mes activités, surtout concernant les vidéos, j'essaie d'intégrer Jésus. Je lui parle et j'essaie de lui expliquer ce que je fais. Et de temps en temps, je lui demande son avis. Pour l'instant, ça me pose beaucoup de problèmes. Car quand je lui pose des questions, j'ai des idées qui viennent, mais ça ne vient pas de lui. Car les résultats ne sont pas terribles. En effet, vous le savez, pour savoir si ça vient du ciel ou pas, il faut regarder les fruits. Et les fruits ne sont pas terribles, donc ça ne vient pas de Jésus. Alors j'essaie de me rapprocher de son cœur, en lui parlant et en lui expliquant ce que je fais. Avant, je me rapprochais de bébé Jésus en imaginant un bébé qui me souriait. Après, j'essayais d'expliquer à un enfant de 10 ans ce que je faisais. Et maintenant, je lui explique et je lui demande son avis. Comme si c'était un père qui voulait donner son expérience à son enfant. Il arrive parfois que l'on soit en colère, c'est-à-dire que vous priez beaucoup pour avoir une grâce et que rien ne vient. Du coup, la colère monte en vous, car vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et la grâce n'arrive pas. Ou tout simplement, après des années de prière, la colère monte en vous, car le monde ne change pas, car vos proches ne se convertissent pas et votre vie n'est pas terrible. Et à cause de cette colère, vous ne pouvez plus prier car vous êtes bloqué entre engueuler Marie et lui parler gentiment. Car vous l'aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que dit Marie ? Ouvrez-moi votre cœur. Alors je vous conseille, parce que je l'ai fait, de demander pardon à Marie, car vous avez besoin d'évacuer toute cette colère qui est dans votre cœur, pour repartir sur de bonnes bases. Pour Marie, ces critiques, cette colère, ce sont des coups de pied de bébé. Ça ne lui fait pas mal. Et comme Dieu veut qu'on vienne à lui comme on est, eh bien aujourd'hui on est rempli de colère. Marie veut qu'on ouvre son cœur, eh bien, quelquefois, dans son cœur, il y a de la colère. Par contre, après, n'hésitez pas à demander pardon à Marie. Mais vous ne pouviez pas faire autrement. Moi, j'en parle aussi dans ma confession. J'ai remarqué que Marie répondait souvent à mes questions, à travers d'anciens messages de Medjugorje. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de messages dans mes vidéos. Voici enfin la preuve que Dieu existe. Ou plutôt, comment avoir la preuve? Pour commencer, avec un peu de réflexion et d'honnêteté, il y a des signes qui ne trompent pas. La souffrance d'une personne pendant une journée jusqu'à sa mise à mort. On en parle encore 2000 ans après. Des millions de prêtres qui ont sacrifié leur vie professionnelle et sentimentale. Des milliers de personnes qui sont mortes avec le sourire. Beaucoup de phénomènes étranges dans l'histoire. Des guérisons, des miracles, des stigmatisés, des apparitions. Autre signe, essayez de parler de Jésus aux autres. Vous allez voir le nombre de critiques que vous allez recevoir. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez aussi essayer de prier. Vous allez avoir du mal. Il y a beaucoup de vents contraires, oui. Car je crois qu'on est dans l'Apocalypse depuis une centaine d'années. Beaucoup de personnes veulent des preuves. Mais en réalité, sans le savoir, ils ont déjà fait leur choix. Dieu n'existe pas pour eux. Même si on leur présentait Jésus, ils ne croiraient pas. Ils parleraient d'hallucinations ou de rêves. Donc moi, j'ai une solution pour eux. Mais je sais qu'ils ne le feront pas, car leur choix est déjà fait. En une semaine, ils auront leur réponse. Il suffirait qu'ils sautent 2 ou 3 repas en une semaine, qu'ils le donnent à Marie et demandent une grâce visible. La Bible dit, soit on est pour, ou soit on est contre. Toutes les personnes qui disent, les gens, ils croient s'ils veulent,
Moi, je n'ai rien contre eux. En réalité, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont choisi d'être contre Dieu. D'ailleurs, il suffit de commencer à parler de Dieu avec eux, et très vite, on va sentir leur haine de Dieu. Là où Satan est très fort, c'est qu'il a réussi dans 95% des esprits à nous faire croire que le mal est bien, et que le bien est mal. Beaucoup de personnes sont touchées par mes vidéos. Certains entendent parler du sacrifice pour la première fois, et ils ne savent pas trop ce que cela veut dire. Ils ont vu des sacrifices à la télévision, notamment des personnes qui se blessent eux-mêmes ou s'infligent de terribles douleurs corporelles. Moi, je vais vous apprendre les vrais sacrifices, parce que le fait de s'infliger des blessures est très malsain, car on peut prendre plaisir à se faire souffrir, et ça, c'est plus trop le ciel. Non, les vrais sacrifices sont plus simples et plus beaux. Alors vous avez le sacrifice de nourriture. Vous avez une envie de gâteau, de cerises, de fraises, une envie de manger. Eh bien, en sacrifice pour Marie, vous n'allez pas manger. Il suffit de dire à Marie, je te donne ce sacrifice. Vous pouvez même le donner pour recevoir une grâce, une voiture, un travail, une guérison. Vous avez le sacrifice de supprimer un péché. C'est-à-dire, vous savez que quelque chose est un péché. Vous décidez de ne plus le faire ou d'essayer de ne plus le faire et vous le donnez à Marie. Vous pouvez même prier Marie pour vous donner les idées de sacrifice. Un conseil, faites les sacrifices de Marie, car vous êtes quasiment sûr d'obtenir une grâce. Vous avez des sacrifices utiles, comme le ménage, la vaisselle, le jardinage. Il y a aussi les sacrifices d'amour. Vous n'aimez pas une personne, vous décidez de lui parler. Téléphonez à une personne seule. Allez voir ses parents, rendre service à quelqu'un. Et enfin, faire une bonne action. Vous allez vous confesser, donner de l'argent, aider une personne qui en a besoin. Moi, j'utilise souvent les sacrifices pour retrouver la prière avec le cœur, car je m'aperçois que je n'ai plus la petite joie après la prière. J'utilise alors le sacrifice de ménage, 3 heures de ménage. J'aime bien aussi les sacrifices de nourriture, en plus du jeûne. Les sacrifices sont très utiles, ils permettent d'amplifier la prière. Chapelle Saint-Joseph à Lannion, en Bretagne. Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisi de façon particulière, comme vous êtes. Je suis votre mère et je vous aime tous. Dans chaque moment difficile, n'ayez pas peur, car je vous aime, même lorsque vous êtes loin de moi et de mon fils. Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang, à cause des âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, en ces jours, Satan veut empêcher mes plans. Priez pour que son plan ne se réalise pas. Je prierai Jésus, mon Fils, pour qu'il vous donne la grâce de percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, en ces jours, vous avez ressenti comment Satan agit. Je suis toujours avec vous et n'ayez pas peur des épreuves, car Dieu veille toujours sur vous. Et je me suis donné à vous et je compatis avec vous, même dans les tentations les plus petites. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1984 à Medjugorje. Fermez les yeux et répétez après moi. Prie, Marie, pour m'aider à savoir ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et prie aussi pour m'aider à t'entendre dans mon cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Elle est vraiment top cette vidéo. Oui, enfin, elle est sympa. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.